Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour un nouvel épisode de Half-Life. Aujourd'hui, l'aventure commence sur les chapeaux de roue et on va voir comment le level design de Half-Life permet de comprendre les points forts et les points faibles de chaque ennemi. Allez, c'est parti! Je suis pas très rassuré. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop beaucoup plus moins calme. Waouh, ça part dans tous les sens, qu'est-ce que je fous là? Enfin, je le sais parce que je connais le jeu par cœur, hein. Mais quand tu le fais la première fois, tu flippes à mort. Surtout à ce moment-là, tu dis waouh, laissez-moi sortir! Conséquences imprévues. En anglais, c'est unforeseen consequences. Donc, c'est pas juste imprévu. J'ai eu l'empêchement de pas venir ce soir, quoi. C'est carrément unforeseen. Ça veut dire on n'aurait jamais pu imaginer ce qui aurait pu se passer. La première fois qu'on joue à Half-Life, ce moment c'est vraiment terrifiant parce que tu sais pas tout ce qui se passe. Ça part en live d'un coup, sans prévenir. Comme tu restes à 100% au contrôle du personnage, il n'y a pas de cutscene, il n'y a rien. C'est encore plus impressionnant parce qu'on est toujours en pleine immersion, quoi. Lui, malheureusement, c'est trop tard pour lui. Attention à l'armoire. Waouh, ça va laisser des marques. Hein. Allez, je me casse. La sortie est pas loin de toute façon. Il faut retourner au monorail. Ah, les survivants. Ça va, les gars? Pourquoi ne nous ont-ils pas écoutés? J'ai essayé de les prévenir. Je n'aurais jamais pensé assister un jour à une résonance en chaîne. Et encore moins, créer. Gordon, vous êtes vivant. Cette combinaison vous a sauvé. Encore heureux. J'ai peur qu'on puisse le déplacer. Et tous nos téléphones sont morts. S'il vous plaît, allez à la surface et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi vous aideront, j'en suis sûr. Alors ça c'est important, c'est parce qu'en fait, il y a des scanners rétiniens un peu partout. Et ben, comme on n'est pas habilité à les utiliser, il va falloir récupérer parfois les scientifiques le système de confinement n'a pas fonctionné. Pour qu'ils ouvrent la porte, donc c'est un petit côté puzzle. Voilà les premiers ennemis de Half-Life, les Headcrabs, clairement inspirés des Facehuggers de Alien, sauf que eux ils te pendent pas dans l'estomac, mais ils te sautent à la gueule et te transforment en zombie. Tout un programme. Et par rapport aux ennemis, vous allez voir à quel point le level design de Half-Life c'est un petit bijou. Honnêtement, je vais expliquer tout ça. Attention les yeux, hop. J'attends que l'éclair fasse péter la porte. Voilà, hop, et je passe. Hop, alors là on tombe nez à nez avec le premier Headcrabs. C'est pas plus gros qu'un chat, mais ils sont vraiment énervants. Et vous allez voir que... Voilà, le seul moyen de les éviter, c'est de passer sur le côté en strafant. Et c'est super intéressant parce que le jeu il te dit rien du tout. C'est à toi en tant que joueur d'anticiper les mouvements de l'adversaire et te dit s'il est en face de moi, il n'y a pas autre choix que de faire un saut sur le côté. Et donc ça c'est le level design qui t'indique sans en faire des tonnes exactement ce qu'il faut faire pour avoir les ennemis, pour montrer les points faibles des ennemis. Attention, aïe aïe aïe. Donc le pied de biche, l'arme ultime de Gordon Freeman. C'est très rare quand... Enfin, à l'époque en tout cas, c'est très rare quand... Je parle, merci. C'est très rare quand un jeu de tir commence avec une arme de corps à corps. Donc Half-Life, encore une fois, là, il prenait des risques. Second ennemi, le zombie transformé en zombie. Le scientifique transformé en zombie par le Headcrab. Alors on peut voir qu'ils sont sensibles aux balles. Hein. Mais bon, comme j'ai pas beaucoup de munitions, j'en finis d'abord un au pied de biche. Et franchement, question creature design, on a rarement fait mieux quoi. Regardez-moi ça, c'est absolument dégueulasse. Le zombie, le scientifique a été bouffé par le Headcrab, mais il y a encore son estomac qui est ouvert et qui se remue en temps réel comme s'il respirait encore. Ça fait froid dans le dos quoi. Passons le sas de sécurité, on y est presque. Oh pardon. Donc là ils sont deux et on peut voir qu'il y a un long couloir
pourquoi il y a un long couloir? Eh ben ça veut dire que en fait le jeu te montre que ils sont là et qu'on peut reculer sans trop de problèmes. Et en fait, comme ils n'ont pas d'attaque à distance, en fait, ben il faut juste éviter d'être trop près d'eux trop souvent. Parce que leurs attaques au corps à corps font super mal. Mais je parle, j'ai pas fait attention. Voilà, mais avec un peu d'adresse. Putain, mais quel con! On peut se débarrasser d'eux rapidement. Bon, là j'ai fait une grosse erreur. Je suis resté coincé contre le mur. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des bornes de soins dans pas longtemps. Et puis là aussi, il y a un peu d'énergie pour l'armure. On revient par là-bas. Et ça y est, la sortie, elle est juste en face. Le problème, c'est que non, la porte elle est verrouillée. Et c'est là que le jeu il te dit en fait, eh ben non, tu croyais qu'il fallait passer par là-bas? Non, 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 non. Il va falloir que tu trouves un autre moyen, mon gars. Donc maintenant, c'est carrément un saut dans l'inconnu, quoi. Le headcrab qui me regarde pas, j'en profite. C'est fait écraser par l'armoire. Hop, je passe. Putain, ça pète de partout. Ah, il y a une borne de santé. Bon, c'est pas grave, je récupérerai plus tard. Alors là, regardez ça. Comme les vélociraptors. Putain, le pauvre. Là, c'est pareil. Je vais abréger ses souffrances, le pauvre. Voilà. Alors là, c'est pareil également. Le garde, malheureusement, il est décédé. Mais il te montre qu'il y a une borne de soins. Et si t'as pas encore compris comment ça marche, il te dit, ben voilà, si tu veux te guérir, c'est par là. Allez, moi, je vais faire une sieste. Allez, prochain ennemi, très bientôt. C'est parti. Ouh là là. Alors eux, c'est les High Hounds. Et on le finit au pied de biche. Voilà. Les High Hounds, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'espèce de... Alors High Hound, c'est chien. Hound, c'est chien de garde en fait, et eye, c'est les yeux. C'est l'espèce de petit chien avec des yeux à facettes comme des mouches. Et ils sont. Ils font partie des ennemis dans Half-Life qui sont pas forcément énervants, mais qu'il faut faire attention parce qu'ils ont des zones de choc en fait. Ils créent des zones de choc. Ouh. Ils créent des zones de choc. Faut éviter en sautant ou en reculant. Qui sont pas forcément très dangereuses, mais en fait comme ils s'attaquent en meute et que l'onde de choc est de plus en plus dévastatrice quand il y a plus de monde autour de toi en fait, donc plus ils sont nombreux plus ça fait mal, et ben il faut très vite les séparer, donc les tuer un par un. Tiens, le sagouin, casse-toi. Le G-Man qui a tout manigancé. Alors, voilà, je fais attention. Attention les yeux, voilà, on repart. Et on le finit. Boum. Il me reste 4 balles, c'est pas terrible. Mais il y a une trousse de soins qui est là. Et je sais qu'il y a une cache d'armes pas très loin. Donc si je fais pas de conneries, je vais m'en sortir. Hop, on évite le headcrab. Petit coup de pied de biche dans la tronche. Et là, c'est qui tout double, parce qu'il y a des ennemis en haut avec des bonbonnes de gaz et il me reste 4 balles. Donc si j'arrive à péter les bonbonnes de gaz, tout explose. Sinon, ben ce sera au cac. 1, 2, 3, go! Bien, joli coup. Là, il y a un scientifique. Vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. Absolument, allez, viens là. En mode Laurel et Hardy. Moi, le gros et toi, le petit. Ou l'inverse. J'ai peur que mes blessures ne m'empêchent d'aller plus loin. Le mec il a fait 10 pas. Ah, je me meurs. Bon, alors là il me reste 2 balles. Donc je vais le maraver au cac et je le finis comme ça. Et dommage. Voilà. C'est bon, j'ai pas perdu un seul point de vie. Et là, je me trouve un flingue de plus. Ça fait 2 chargeurs.
quelques grenades pour la route et une bande de soins si jamais j'avais besoin. Et là, je suis impec parce que j'ai plein de munitions et je vais en avoir besoin. Donc là, on va arriver à un nouvel ennemi, le Vortigaunt, super important dans l'histoire de Half-Life. Et en fait, lui, il balance des éclairs directement en face de toi. Donc le truc pour l'éviter, c'est de partir à gauche ou à droite. Et c'est là encore qu'on voit la brillance du level design, parce que avant même de le voir, on se rend compte qu'il y a un tonneau à gauche et à droite pour se planquer et éviter ses tirs. Donc sans le savoir, on sait déjà en fait le point faible de l'ennemi, rien qu'en regardant le décor. Et ça, c'est quand même vachement bien. Rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment impressionnant quand il repense. Je vais essayer de balancer une grenade pour l'exploser jusqu'à ce qu'il finisse son attaque, pour carrément couper son attaque. On va voir. Bonjour! Oh le con, il a évité la grenade. Ça va, il était presque mort. Alors on peut voir qu'il a 3 bras, avec un au niveau du nombril, et il a les menottes au poignet avec un collier. Ça aussi c'est important pour l'histoire, et on le découvre que vers la fin du jeu, pourquoi. Et encore, c'est pas expliqué directement. Alors là, il y a un saloperie de Hellcrabs planqué derrière le tonneau. Voilà. Un parent de planqué. Mais où est Charlie? Très bien, je refuse de faire un pas de plus. Bon ben voilà. Alors là, il va falloir en fait... Bonjour. Il va falloir en fait passer de côté de la grille en faisant monter le niveau d'eau. Putain, à chaque fois je l'oublie lui. Donc il y a une vanne ici qu'il faut tourner. On l'active. Ça lève la trappe. Le niveau d'eau monte. Et voilà. Et là on arrive à un de ces passages vraiment... Là c'est vraiment qui tout double quoi, parce que c'est vraiment un passage assez galère, donc je vais sauvegarder pour la forme. Voilà, parce que les headcrabs là, quand ils sont un ou deux, qu'ils arrivent comme ça tranquille, tu vas à gauche, tu vas à droite, ça va, c'est facile pour les éviter. Mais quand ils arrivent en masse sur une plateforme en mouvement, c'est beaucoup plus galère. Hop. Attention les yeux. Pardon madame. Allez, maintenant ils arrivent par deux. Mais c'est pas vrai! Comment ils ont fait ça? Et la gravité, les mecs! Oh non, 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 non! Ah, il y en a partout! Oh putain, encore un! Ah, ils sont partout! Ils sont partout! Le cirque Zavata présente! Gordon Freeman et c'est Hellcrabs volant! Regarde-moi cette infestation, quoi! Il y en a partout! Regarde ça! Oh la vache. Toi mon gars. Couché. Termina. Voilà, bon ben du coup hein, c'est fait. Ouf. Ah, qu'est-ce que... Ah oui, j'avais oublié celui-là aussi. Alors ça c'était un bull squid. Et les bull squid, c'est un nouvel ennemi assez intéressant, et on va voir encore une fois au niveau du level design maintenant toutes ses attaques, ses points faibles et ses points forts. Vous allez voir que c'est un ennemi vachement vachement original. Allez, donc il est là-bas. Donc le premier truc qu'on voit déjà, c'est qu'il aime pas les headcrabs, mais alors pas du tout. Et il a deux attaques au cac. Il tombe sur lui-même et en fait il fait super mal, et sinon il balance des glaires verdâtres là si on est trop loin. Donc faut surtout pas s'approcher et esquiver les projectiles qui sont pas trop difficiles à éviter. En normal il faut 6 ou 7 balles pour l'avoir. En difficile je me demande combien il faut, donc on va voir. Bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais, quand même! Mon chargeur fait 17 balles, il m'en faut 15 pour en abattre un. On va rigoler. Voilà, enfin bon. Là, il y a des barnacles. Les barnacles en anglais, c'est en fait cette espèce de langue visqueuse qui pend du plafond.
C'est un ennemi assez intéressant aussi parce que ils bougent pas, ils sont juste là un peu comme des pièges à con en fait. Par contre, si tu te fais engluer, tu te fais absorber jusqu'à ceux qui te bouffent directement en te croquant la couenne quoi. Donc faut faire attention où tu marches. Là il y a un crabs, voilà. Boum. Ça fait. Oh ça va, je suis encore à 100 points de vie, je me débrouille pas mal. Alors par contre, je parlais du level design qui était excellent, mais il y a des fois tu te demandes vraiment à quoi ils pensaient les développeurs. Genre là, t'as une salle entière remplie de caisses suspendues au-dessus du vide. Je veux dire, vive le réalisme quoi. Enfin bon, en général j'ai pas trop de mal pour passer la zone. Voilà, tranquille, premier coup. Et on va arriver bientôt dans une nouvelle zone qui s'appelle le complexe administratif. Voilà, j'ai fini. Et l'ascenseur, je prends l'ascenseur et je vais arriver à une nouvelle zone. J'espère que la vidéo vous aura plu et on va s'arrêter là pour cette fois.